Le pape François a été élevé par une grand-mère qui était très croyante. Il a été élevé à Buenos Aires par les Salésiens, c'est-à-dire qu'il était, sa grand-mère l'a beaucoup investi dans le service, l'entraide avec les voisins. Il faut imaginer Buenos Aires, le quartier de Flores, les immigrants italiens, la crise de 29 qui a frappé cette famille, des gens qui se sont retrouvés sans rien et obligés à une entraide. Donc dans ce pays absolument immense, sans aucune structure d'aide, il y a eu ce petit garçon qui était avec sa grand-mère et qui a été éduqué à aider son voisin. Ensuite, il ne pensait pas du tout être prêtre. Hein. Il était très, très indiscipliné. Il aimait beaucoup ses copains. Il allait jouer au foot. On l'appelait Patadura parce qu'il n'était pas très doué. Mais enfin bon, il arbitrait. Il adorait aller en boîte de nuit comme le faisaient tous les adolescents à l'époque dans un club. Et il allait lancer, c'était son époque, le tango et surtout la milonga. Il le raconte. Il avait une petite fiancée. Et puis un jour, il passe. Il a rendez-vous avec sa fiancée. C'est le 21 septembre. Il faut savoir qu'en Argentine, le 21 septembre, c'est une fête extraordinaire. C'est la fête du printemps et en même temps la fête de la jeunesse. Donc tous les étudiants sortent, prennent leur maté, font des pique-niques dans les parcs. Et donc il a rendez-vous pour cette espèce de fête extraordinaire de la jeunesse. Il passe devant l'église, devant sa paroisse. Pourquoi, dit-il, il ne comprend pas. Il lui prend une envie irrésistible de rentrer dans l'église. Là, il voit un prêtre qu'il n'a jamais vu auparavant. Il le suit. Ce prêtre rentre dans le confessionnal. Il y rentre à son tour. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Voilà, il le raconte très bien. Je le raconte aussi dans le livre. Et il en est sorti profondément bouleversé. Il s'est senti appelé. Il est converti. Et ensuite, s'est fait tout un long chemin pour savoir, effectivement, s'il devait répondre à cet appel, comment répondre à cet appel et que faire de sa vie. Alors moi, ce qui m'a semblé très intéressant dans le travail que j'ai fait, c'était de rechercher en Argentine, pendant 76 ans, les 76 ans de vie argentine du pape François, quelle avait été sa façon d'être un pasteur. Il se trouve que l'Argentine est un pays que je connais très bien. J'étais d'ailleurs à Buenos Aires quand le pape a été élu. C'est un archevêque que je suivais au moment de la crise et il m'a semblé lumineux, au sens premier du terme, d'éclairer un an de pontificat au regard de tout ce qu'il avait fait et de tout ce qu'il avait animé pendant sa vie à Buenos Aires. Il faut comprendre aussi que l'intérêt de cette Argentine pour nous, c'est que c'est un pays qui est à la proue de l'Occident et qui a essuyé avant nous tout ce que nous connaissons aujourd'hui, l'extrême pauvreté, les flux migratoires, la crise financière bien plus qu'économique. L'Argentine est un pays riche, nous sommes un pays riche. Donc c'est cette espèce de déperdition des valeurs, de tristesse profonde et de sentiment de déréliction des gens qu'il a pris à bras-le-corps et il s'est proposé comme effectivement un homme qui a apporté une solution en s'impliquant tous les jours dans le quotidien des Argentins. François est un pape très différent de ses prédécesseurs pour beaucoup de choses. C'est un pape qui n'est pas de la curie, qui ne vient pas de la curie, qui n'a pas fait sa carrière dans la curie. C'est un pape américain, latino-américain. Et c'est un pape qui est très différent parce qu'il propose un retour radical à la parole évangélique. C'est un pape qui tient à la filiation. C'est un pape qui tient à être fidèle exactement à Vatican II et à ses prédécesseurs, non seulement à Jean-Paul II, mais à Benoît XVI. Il n'y a pas de rupture radicale comme on voudrait le faire croire. Et c'est un pape qui n'aime pas du tout qu'on passe son temps à l'opposer ou à le comparer avec ses prédécesseurs. Il y a une continuité en même temps. Il a un style très personnel, extrêmement fort, et il donne à son pontificat, en un an à peine, il a déjà donné son empreinte. Alors c'est à la fois un pape progressiste dans la mesure où il va faire avancer énormément la curie, il va faire sortir la curie d'elle-même. Il y avait longtemps depuis Vatican II déjà espéré un grand changement. Ce changement n'avait pas eu lieu. Chaque pape remettait à son successeur la charge de cette réforme et il l'a attaqué avec un enthousiasme formidable, une absence de langue de bois totale. Et c'est un pape qui n'a pas peur. Jean-Paul II a commencé à dire « n'ayez pas peur », lui, il n'a pas peur.